Messieurs, dames, la famille, la société, toutes amis, frères, accès, compatriotes, moyo, et tout un collaborateur qui connectait nous tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir. Et pour nous toutes, et amis, quoi, amis, nous, serviteurs, nous, merci Dieu, c'est avec et même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes, et guéons pour l'autre, toute équipe là, à la ronde badin, nous comptons rencontrer. Jeudi à ce jeudi, na vivre et jeudi 4 janvier 2024. Et toute équipe là déjà mobilisée pour nous porter pour le journal et méga matin. Je nous tout, nous déjà connaissons le méga, c'est Pigou Réseau Radio, Haïtien Gessoulaté Béni. Avec et staff nouvelle là, information yo, sous pays d'Haïti. Rapidité, Radio Méga, Gros Radio 1, l'IFS 5. Depuis Studio Pétionville, invité à côté Méga Matin. Premier journal, la Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Jeudi 4 janvier 2023. Gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou pour nous voter pour le journal la Méga Matin. Un journal qui arrive possible grâce à coucou toute équipe à la nouvelle. La Marcel Joseph, c'est lui-même qui a viré bouton. Micro-présentation, moi-même, Jean-Wilner CVAK, Daniel. Bonjour Marcel, bonjour Daniel. Bonjour Jean-Wilner CV, Marcel Joseph, Zami, tout partout. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Mais quelques principales informations pour nous développer. L'ICO, c'est l'ICO, c'est nos citoyens ça, qui perdit des petits garçons là qui ont des villes 23 décembre passé à un marché tabac si monsieur t'a acheté tennis dans marché à la police exécuté yo après une discussion avec le marchand d'après papa victime yo gayan jai Daniel tendez hier mercredi ancien ministre MTPTCA Joséis Nader ancien sénateur Francisco de la Cruz dans cadre de ses enquêtes USCC sous disparition matérielle dans CNI coup de côté cryptisé institution publique pour depuis 31 décembre passé à pour présenter état financier yo pour des exercices fiscaux yo une pas répondre BM pas dîner pas OFATNA ou avait c'était c'est quelque parmi boîte l'état concerné yo SES journaliste qualifié criminel donnant ça lui dit commissaire gouvernement au cas la Ronald Richemont fabriqué pour libérer un individu qui est impliqué dans l'assassinat de ce Garrigui laissé Delva exiger révocation chef paquet nous pas dit au voyer la poubelle dernier sorti premier ministériel Henri André Raphaël rappelé diverses promesses Ariel Henry n'est pas jamais respecté au niveau des secteurs politiques, la région de population, pour capoter pouvoir ça. Comme ça, toujours, il y a un parti politique reconstruit, Haïti, quoi, Ariel Henry, pas même besoin de dialogue, il doit rentrer dans la constitution pour prendre un juge dans la cassation avec un premier ministre consenti. Parti politique estimé de l'Ivresse qui t'a préagi sous discours, ça, tout quoi, c'est le premier ministre Ariel Henry qui a payé pour casser, s'il décide d'avancer avec force, 7 février, pas gain ou pas bois, il doit quitter pouvoir. Constatou gagné DNP regrette accord 21 décembre n'a pas trouvé appliqué. HCTA seulement qui l'a presque dysfonctionnel. RDNP proposé en chita palais pour empêcher pays à tourner en crise pendant l'année 2024. Je dis enfin 25 jours depuis SNGRS n'a pas fonctionné en année 2024. Pour exiger meilleures conditions de travail, augmentation salaire et l'attrié, syndicat institution fait appel à l'autorité pour pencher sous dossier SILA. Tout syndicat chauffeur moto dans Sidio annoncé en grève le 18 janvier 2024 là, Capéville là pour dénoncer décision de la mairie pour lever station moto là dans la ville là. C'est pour savoir diverses les autres qui prennent le fait essentiel journal là jeudi, mais pas oublier Chinabgué pour nous traverser avec. Même exercice là, on connaît combien de droits besoin pour capable à son dollar américain. Nabgué pour nous voter pour Bécher Capsule, c'est rebranché Chinabtoumé. La
dans nos jeunes collaborateurs, nous avons gagné Lico Selico, monsieur Lico Selico, qui pèse deux petites garçons là qui ont névé leur babal, la police le 23 décembre passé, dans le marché tabac. Lico expliquait trois jeunes qui étaient rendus dans le marché pour acheter Tedis, la taille al, gagné un bouche l'ouvrir avec un machin de l'eau qui allait les barrer voler derrière eux. Le bac au commissariat tabac débarqué et assassiné trois messieurs. Papa victime n'a demandé justice pour Genio. Il fait qu'on n'est pas suspendu recevoir menace à cause des choisis dénoncer Zach là. L'État pour une question un journaliste hier mercredi. Fin d'année, je demande mon corps pour aller acheter tennis dans le marché tabac. Donc, je vais aller acheter tennis dans le marché tabac. Effectivement, je vais acheter mes tabacs à l'acheter tout un marché. Il y a une altercation entre nos machins de l'eau avec Timmy Seyo et un moumé entre eux. Machins de l'eau arrivent, les barres volent, tout le monde est couru. À bon port, il y a un bac-up qui est commissariat tabac. Et commissariat tabac qui est dirigé par le commissaire Vincenton Moutier. Donc, sans fois ni loi, le bac-up là, on fait ça. Si mon qui est 17 ans dit qu'il n'a pas besoin de fusil, c'est pas voler nous. Et mettez-nous en prison. Papa nous, après nous chercher nous, après les papa nous de préférence. Monsieur dit depuis moi, les amours, il faut me tirer, il faut me faire mort. Ce sont policiers qui ont affecté la commissariat là-bas. Ils ont une mission balle dans la cuisse et ils ont une enquête. Et de l'arrêt, ils continuent de faire. Si besoin de payer un service, fais pas là bien parce que pour un rapport comme ça, nous connaissons qui ça veut dire, ça t'a besoin de payer un service. Mais là, comme ça, ça discrédite le rapport. Et c'est ça que nous avons une attitude irresponsable de leur part. On pense qu'il faut apprendre à faire bien, il faut apprendre à mettre un minimum de sérieux dans leur travail. Parce que c'est une situation très importante pour le pays. C'est d'abord, c'est déjà une grande chose, c'est une grande bagaille qui a fait aujourd'hui. Le fait qu'il y ait un rapport UFCC, ça n'a pas déjà fait le pays, c'est à féliciter. Mais là, on va le faire tout. Mon cher, il faut nous dire que c'est malheureux de leur part, son attitude responsable. En France, par exemple, quand il y a un grand comité de là, mais ministre qui commet par ailleurs, c'est 55 000 euros directement. Et côté des gens qui sont sacrés, respectez-nous, téléphonez automatiquement. Si, effectivement, étant donné que le rapport est faussé, donc maintenant puisqu'il y a un problème, il y a d'agrément songe dans le rapport, automatiquement, le directeur général de l'UFCC doit donner ça. En principe, même si c'est allié, il va même temps de poser des questions. Donc vous trouvez c'est malhonnête, c'est pas sérieux, et disponible, toujours disponible. Toujours disponible, à n'importe quel moment je l'ai ramené, disponible. Voilà, on t'a écouté intervention ancien sénateur Francisco de la Cruz. Francisco de la Cruz qui t'a parlé. Gagné un juge là qui était des tours, ancien ministre travaux publics et transport, communication, Joisier Snader, dans le même dossier, c'est enquête ULCC sous corruption. La CNE, ancien ministre, pas de bail trop détails sur sa crédibilité, mais elle quand même salué. J'ai fait la justice à faire pour lumière sous fait sous dossier ça. Joisier Snader, ben garanti, l'a prêté disponible pour la justice en côté. Corruption, surtout qu'à passé dans le CNE. Donc, moi, je suis venu, mais comme ancien responsable, parce qu'elle dit on va gagner aujourd'hui, c'est pour la première fois que je m'apprenne. Et en principe, les pagues au Parlement, et pour passer trois mois par ministre, sont responsables au ministère. En tant que responsable ministère, là, et j'ai besoin de poser des questions. Mais comme nous avons des situations secrètes, et des bagages pas dire, il est vraiment le deuxième juge d'instruction passé, moi une dimension de très haut niveau. Donc et chaque fois, moi une dimension comme ça, moi la justice comme ça dans le pays, ça étonne. Donc ce n'est pas n'importe qui juge qui tape et questionne. Donc immédiatement, on va gagner parlement après trois mois. Après trois mois que et pas qu'à ministre encore et c'est ça qui fait trop m'apprendre que pas qu'un chef là il vient de payer est-ce qu'il y a pas qu'un chef selon le même ministre vous êtes satisfait de l'audition après information et m'apprendre c'est un coup de ça dire et comme des c'est votre instruction c'est ton coup c'est une instruction mais en même temps de qui ça ministre Nader vient jeune ancien ministre la République, tous les anciens ministres la République vivent questionnés. Ok, vous répondez à ce juge encore autant de fois besoin, autant de fois ma plus.
Voilà, on avait quitté le dossier ça, on pourrait parler l'autre dossier dans un journal là. Question a fait Gary Tesla. Il y a un journaliste qui a dénoncé une fausse ordonnance qui est fabriquée par un commissaire au gouvernement au Canada, Ronald Richmond, organisation haïtienne, défense liberté, la presse, SOS journaliste. Il dit indigné, on fait encore avec acte illégal, suspect même criminel qui posé par commissaire au gouvernement au Canada. On a parlé là de Ronald Richmond qui lui-même a fabriqué une ordonnance pour libérer un présumé auteur et complice dans l'assassinat journaliste Gary Tesla. En effet, juge d'instruction Robert Jourdain émet 30 octobre dernière ordonnance là-dedans qui gagne un élevé mandat qui était accordé en faveur journaliste Galin Hippolyte, qui est commissaire Richmond lui-même abusivement fait arrêter et mettre en prison. Et commissaire Richmond rappelle décision ça, son proche chef là qui libérait on l'autre détenu. On parlait là de Wilgens Théogène alias Pouchon, non pas mentionné dans ordonnance juge instructeur là. Toujours d'après SOS journaliste, alors que tout le monde a demandé comment Richmond a fait procéder avec libération Théogène, d'après eux-mêmes sont protégés. SOS journaliste pris avec un souci policier, ordonnance ordre pour libération qui signé par juge là, il remet avec argent pénitentiaire. SOS journaliste poussé plus loin pour faire enquête par yo apprenne par un souci sûr yo gagné qui ordonnance ça li qui te gagné ordre libération en faveur Wilken Théogène là, li pas jamais existé. Donc li fabriqué de toutes pièces d'après SOS journaliste par commissaire gouvernement Okala Ronald Richmond. Dans ce sens, il y a SOS journaliste rappelé que Tessa Gary lui-même était disparu 18 octobre 2022 et Koli d'après le jeune li 24 octobre dans même année ça dans localité Foco dans environ ville Okai. Donc agissement commissaire Ronald Richmond il renforcé très fortement méfiance SOS journaliste qui au même quant à disposition et volonté yo ta quoi Richmond lui-même chef là li pas gagné pour le capable poursuivre avec enquête à ça pour le prendre responsabilité là dedans c'est pas dans donc yo mandé avec pour qui ça un commissaire li investi dans une entreprise qui manifestement même criminelle. SOS journaliste réitéré avec Marielle Henry, ministre AI Justice là, Emeline Prophète Milce, pour demander relativement pour remplacer commissaire Ronald Richmond qui même, je dis acquisé parce qu'il rédigeait une fausse ordonnance qui bat en ordre de libération en faveur, on présumé assassin, journaliste, commentateur politique là, là, on a parlé là des Tess Gary lui-même qui était animé en émission sur station de radio Les Bons FM. SOS journaliste mandé également sécurité à juge Jourdain lui-même qui pleinement assuré moyens logistiques nécessaires pour prendre disposition pour conclure avec enquête et procès sous assassinat à journaliste là en bonne et due forme d'après ça ben SOS journaliste mandé. Donc sa déclaration ça y est appli pour là il fait un Port-au-Prince 3 janvier 2024 c'est Joseph Guy Lessé Delva qui a signé. Allons continuer avec information dans le journal là. Il y a un coup de compte qui a écrit plusieurs institutions publiques depuis 31 décembre pour présenter l'état financier pour le dernier exercice fiscal. Je ne pas répondre. BMPA, DINEPA, OFATMA, OAVCT, c'est quelqu'un parmi les boîtes l'État concerné.
Non, qui était dossier ça, je vous laisse faire, non, prêt à regarder l'autre dossier avec auditoire. Radio Méga qui tout partout dans le monde là et dans le pays, il y a gagné l'Assemblée social-démocrate progressiste. Au fait qu'on a été sur de passer une plus mauvaise année, toute histoire là, à travers notre RDNP, regrette à quoi 21 décembre n'a pas déjà arrivé appliqué, seulement HACT a qui sous pied, mais elle presque dysfonctionnel d'après eux-mêmes, responsable de communication RDNP, Ricardo Nordin, coacteur politique et pouvoir international complice dans l'échec SAO. RDNP souhaitait gagner une ouverture avec l'autre acteur dans la vie nationale là, pour jeunes une solution à ici à crise là, pour empêcher passer en 2024 dans une crise période, Ricardo Nordin. Notre ça que RDNP voyait ben nous montrer à clair que nous sommes passés une pire mauvaise année pendant trois dernières décennies. Année ça côté dirigeant en tête l'État yo banaliser la vie monde. Il y en a une transition qui pas ni agenda ni limite depuis plus passé 29 mois qui donc c'est une transition chaotique. C'est pas d'un accord 21 décembre que nous mêmes RDNP t'es signé te prévoit yon ensemble action. Côté qu'on te supposé des nouveaux élus en 2024 qui très certainement t'a sorti dans l'élection générale qui t'a faite en 2023. Malheureusement, qui pas respecté. Ça, le conseil transition qui devait installer dans l'accord 21 décembre. Et on quand même dit, c'est une structure qui dysfonctionnelle. Cependant, l'accord 21 décembre, ça, t'es chargé en pile espoir. Et puis, tu bénéficié d'un momentum qui est favorable. Mais, malheureusement, qui finit par échouer à cause de inaction et qui moun cap dirigé, qui plus soutient des petits avantages mesquins et privilèges dans toutes conditions. En fait, il faut être honnête tout dans RDNP. Nous pensons que tout le monde a pas responsabilité, quitte ses pouvoirs, quitte ses oppositions, même aux communautés internationales. Parce que ce n'est pas ni une, ni deux, ni trois rencontres qui fait entre eux dans souci pour gagner un accord qui pillage pour ça qui t'abra le run que nous tous ou encore tout le monde participer dans les mains pour pays avancer. En conclusion, RDNP pas souhaité pour l'année 2024 ça que nous retournions dans la même bêtise 2023. Ça qui va plonger les Parisiens dans une souffrance qui pifé was toujours. C'est dans ce sens-là que nous-mêmes dans RDNP apprenons une ouverture et prêt pour travailler avec l'autre formation politique, avec organisation de la société civile pour nous joindre une solution politique que de tout le monde a retrouvé la donne. Nous devons décider ensemble et puis Kounia, parce que échec diverses missions CARICOM doit convaincre nous pour une solution haïtienne entre haïtiens. RDNP fait appel à patriotisme tout le monde, parce que à cause insécurité qui va le terrain tout partout dans le pays, ça cause un pile dans le cerveau Haïti, ça cause un pile dans le cerveau Haïti qui gagne parti qui te pays. Nous même dans RDNP, nous croyons seul un changement dans la vraie direction avec une autre équipe dirigeante dans tête de l'État qui a baillé une autre lumière à l'espoir.